Bonjour, c'est Grayfax. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge de Magie. On fait un arc corrompu. On va essayer de le faire en Nirperf, arme de chasse et probablement trance à dommage distance pour un Enerips à feu PVM. Voilà, bon, le dernier que j'avais fait sur ma dernière session, c'était ça. Donc un G full perf rune trance pour PVP. Mais là, du coup, il nous faut pareil avec la PP pour le nouveau. PP plus arme de chasse et rune trance. Donc c'est un peu plus dur, mais. Bon, ça va, ça se fait bien. Corrompu, c'est pas hyper chaud à faire. Il y a le PO, faut un peu de tryhard et ça passe. Donc, on a 45 depuis. On va commencer par la Vita qui crit. Ça c'est les bons débuts d'FM comme j'aime bien. La petite récri qui crit. Alors, l'idée, c'est d'enlever l'over. Voilà. Ensuite, on va mettre double Rainé. Alors là, on s'est fait bolos. Voilà, l'idée, c'était de récupérer l'over sur la. Sur les repères, malheureusement, bah ça commence. Hein, Bon, allez, next. 48 depuis. Bon, on pourrait bourriner les pavis pour aller chercher le perp Vita, mais. C'est un peu tricky. En vrai, ça peut le faire, mais. On va ravi plutôt. Les deux écoles se valent, hein, mais. Moins 5, ok. Il nous faut le perp Intel. Ah, c'est compliqué, décidément. Bon, tant pis. 41 depuis. Bah c'est marrant ça. Ça c'est vraiment vraiment très très cool. Bon, on va pod. Alors là, il va nous falloir une série de crits pour pouvoir finir l'item. On est sur quelque chose d'assez conséquent quoi. Ok. Donc là j'ai plus. 0,1, moins 0,5, moins 10, il me reste 0,6 de pi pour terminer ça. Aïe aïe aïe, hein. Il va nous falloir un peu de crit. Bon, c'est pas de chance. 49 de pi, bon, évidemment, le 1 de vita qui full troll. Bah super, ok, bon, pour une fois, on perd pas 30 de pi sur la ravie, c'est bien. On va voir le bon côté des choses. En vrai. Il me faut une rune élémentaire d'un élément random, une petite rune âge. Moins 6 évidemment. Bon bah du coup la vita dégueu mais on va devoir rester là-dessus. Il faut qu'on passe une painée. Moins 13. La rainée. Ok bon. Je préfère me faire troll par la pa que par la ra, hein, très franchement. En vrai, je peux tenter la petite rune vie. Ou alors je la tenterai à la fin. Parce que si je récupère un. Bon, je récupère rien. Les deux cas de figure auraient été corrects. Moins 6, moins 12, pardon. Moins 3. Oh putain. Il me reste un de puits. Pas de PO. En vrai, je pense que si c'était passé là, j'aurais tenté le PA, je pense. Sur cet item, j'ai déjà eu un peu de chance avec certains des gros exos que j'ai tentés, donc voilà. Parce que si j'ai pas l'arme de chasse, en fait, ça me sert à rien. Donc. Bon, on continue. 44-4 depuis. Bon. La vita toujours pourrie, évidemment. Moins 10. Bon, là, on va y aller pod, je pense. On va chercher plutôt le near perf. Ah, l'intel, par contre, ça c'est vraiment la sauce. Let's go. Hein. Ok, nice. Je vais repère en vrai. Il réécrit. Pas ça qui crit, évidemment. Moins 14. C'est short les amis, c'est très short. Ouais, j'ai plus rien là. Reste 4, ah ça dégoûte. Ça dégoûte. Bon, allez, on garde le moral. 46-8 depuis. Ah, la vita encore, hein. Bon allez, pour la science, on va y aller à la pavie, on verra comment ça se comporte. En vrai, c'est moins violent que de se faire full troll par de la rat qui te défonce le puits. Hein.
Bon, là, il faut que je fasse rat into dos. Bah, voilà. Et bah, pff, magnifique. Next. 45 depuis. Bon, en vrai, ravi. Ouais, bah, là, typiquement, le spam pavé aurait peut-être été mieux, mais bon, je voulais récupérer sur la fuite. Évidemment, moins 21. Bon, il n'y a rien qui va. Allez, j'ai compris. C'est bon. Voilà. 42 depuis. Ok. Oh putain, moins 21 encore, c'est terrible ça. Hein. Bon, moins 10. Ok, ça c'est pas mal en vrai. Bon. Sagesse moins 9. Le problème c'est que là j'ai vraiment beaucoup de trucs qui sont pas passés. Ouais. C'est short en puits en vrai. Hein. Tant pis. 41 de puits sur cette tenta aux congruences très propres. Il faut juste que je choisisse. Je vais y arriver. Que je choisisse ce que je fais de l'intel. Je pourrais spam la painée ou alors tenter la rat. La rat que je pourrais récupérer en fuite et prosp. On va déjà mettre une ravie qui passe. Allez, on va tenter la rat. Il faudrait vraiment qu'elle passe. Nice. Ok, là on a quelque chose de très beau. Le crit, heureusement, j'ai encore les récrits. Ok. On va mettre le crit. Ouais, plus de puits. Dommage, ça partait. Ouais, c'est compliqué. On continue. 47 de puits. Bon, les congruences là sont pas insane. C'est bien ça. Ok, on a moins 30 déjà. Bah, super. Tout ce que j'adore. Hein. Mettre une petite rune. Petite rune agi. Pas ça. Oh là là. Il suffit d'une passa qui passe pas et c'est terminé. Hein. 45 depuis. Bon, c'est chiant. Là, j'ai passé une réécrit parce que je regardais le chat. C'est pas opti du tout. Il aurait fallu dans l'autre sens. On va mettre Ravi et ça. Moins 23. Et là, il me faut Rainer. Moins 20. Il me reste. Bah, il me reste 2. C'est parfait, ça. C'est un bon FM, ça. Bah, GG à tous. Aïe, aïe, aïe. 42 depuis. Faut passer l'intel là. Hein. Moins 20. Ok, on récupère tout. En fait, pour que je puisse finir l'attentat, il faut absolument que j'ai que du succès neutre. Le moindre échec critique sur une rune, c'était terrible, 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 terrible. Le crit. Ouais. Reste 12. Ça a vraiment pas de chance, ça. Hein. Bah, super. Le PO qui repasse jamais en plus, je sens qu'on est parti pour être un petit moment sur l'item. La Vita qui m'a troll la ligne d'avant, elle était à moins 1, elle est à moins 7, c'est terrible. Ok. Peut-être moyen de récupérer quelque chose. Bon, 43 à virer. 43, c'est 30. Et 13. On est où là? Bon, j'ai des congruences parfaites. La question, c'est juste de savoir si je vais pouvoir finir l'attentat. Non, bah voilà, c'est fini. Oh, peut-être l'espoir revient. Allez, faut bien cliquer les runes là. Aïe, 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 les amis. Terrible, terrible, terrible. Il me reste 3,2. Le meilleur call que j'ai, c'est de remettre le PO et d'espérer que ça le casse. Il aurait pu se passer un truc sur le crit, hein, je vous avouerai. Qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Bon, bah je vais continuer, hein, en espérant que le PO tombe assez vite avec un jet qui se maintient assez haut. J'aurais peut-être tenté un PA si j'avais pas perdu la Vita et l'Intel, mais là, aucun sens. Bon, le PO qui tombe pas
tellement de temps plus tard, mais juste assez pour que le jet soit bien retombé quand même. Donc c'est un peu unlucky. Faut rainer en plus là. C'est bien ça. Allez. 49-1 depuis, décidément. Je me tape que des 305 Vita au 69 d'Intel. C'est un peu relou, je vous avouerai. Commencer par l'Intel. Voilà, bah c'était un bon puits encore ça. C'est bien ça. Voilà, bon, c'est bon. Le taf est fait. Après, bon, le reste de l'item, est-ce qu'on a vraiment besoin? Bon, tout de suite. Magnifique Tanta à 47 depuis. On peut avoir le full perf là-dessus. C'est bien de fus, hein. 45 depuis. Bon, on va plutôt viser le near perf là-dessus. Le J est globalement assez haut quand même. On va sécuriser du coup là. Je tryhard pas le 350. On va sécuriser le 349. Ça se présente plutôt bien en vrai. C'est abusé, hein. Ok, ouais, il suffisait que je me plaigne un peu évidemment pour que ça crit, mais on n'aura pas de quoi finir. Hein. Il me reste deux. Pourtant j'avais un jet de base archi haut, hein, vraiment. Hein. Alors après on peut crit quelques runes effectivement, mais ça ne suffit pas malheureusement. Ouais, c'est compliqué. Hein. La painée, franchement. J'ai 27 depuis pour monter à 60 sur un item à 70 max, je me fais un peu disrespect. 49-4 depuis. Aïe! J'ai 8 à dégager. On va y aller comme ça. Ok. Dommage. 44-2 depuis. Oh, le jet, il est assez bas là. On va faire comme ça. Comme ça. Comme ça. Déjà. Moins 16. On va retenter le spam des runes pas. Ouais. En 24. C'est marrant parce que j'ai l'impression que j'ai déjà plus de puits. C'est pas de chance ça. Vraiment unlucky. Magnifique tenta au niveau des congruences, moins 46 de puits. Bon bah le problème c'est comme d'hab d'avoir assez de puits pour terminer le FM. C'est parti. Tac, tac. Ok, bon bah, la sagesse qui passe pas, c'est mort. On va quand même essayer d'aller au bout, mais évidemment, j'y crois plus. 18 restants. C'est chiant. 4 restants. 0 restants. Pas de PO. 49 depuis sur cette tenta. Bon, on peut viser le near perf. On a deux petits overs à faire. Faut juste que ce soit pas trop capricieux. Bon, c'est fini. Le misclick. Ah, les misclick FM, ça, il faut bien que ça arrive de temps en temps, hein, sinon c'est pas marrant. Bon, pour ce que je perds, de toute façon, évidemment. Allez. 41 de puits. Bon. Normalement, je ferais plutôt pavi ravipod, mais au vu de la difficulté de l'item avec la prospection, on va plutôt la jouer safe. On verra si par un miracle, il nous reste beaucoup de puits à la fin. Donc on va juste ravi. Ah là là, même ça picote de ouf. Hein. Moins 20. Rainé. Moins 10. Ah bah il nous reste 5. Ça c'est vraiment pas de chance. 0. Ah, c'est horrible. 45 de puits. Bon, si la rainé troll pas, il y a un potentiel. Ouais. Ouais. Petite repère. Ouais. Bon, j'aurais bien aimé qu'elle passe. Encore petit repère. Non, d'abord réécrit. Pas réécrit. 29. Peut-être qu'on va avoir notre première tenta là-dessus. Bon, c'est pas aussi clean que ce que j'aime, mais. On va faire avec. 8, mais même là-dessus, on peut pas en fait. Mais c'est terrible en fait. On n'aura jamais l'arme de chasse. Dramatique. Il me reste un.
évidemment. 45 de puits, là on a un jet qui est très haut de base, ça peut vraiment donner quelque chose. Il faut que la Vita passe. Oh yes! Moins 10. Allez, il faut pas que ça troll là. C'est maintenant que tout peut arriver. Oh le crit! Oh yes! Allez, 25. Ah là là, je croyais qu'il fallait pas qu'on se tape c'était... Oh! Il reste 11. Allez, un dos-feu, une chasse et un PO. Oh l'intel, j'ai pas vu, je suis un chien. Moins 10. Bah je suis un bouffe. Enfin, en fait, ça change rien. Mais... Bah j'ai un. Aïe 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 aïe. Pas de PO. 50,8 depuis. En vrai de vrai. C'est bon ça. Ça me met très très bien l'écrite à la part écrit. Alors par contre, les repères qui passent pas, ça me met un peu moins bien. Le PO qui repasse jamais, on va pas en parler non plus, hein, tranquille. 45. Si on se fait pas trop troll par l'intel, on a une belle tenta. Est-ce que je triple painé ou est-ce que je double ravi? C'est un peu la question là. On va double rat. Enfin, double rainé, je veux dire. Ok, on s'en sort pas trop mal, moins 20. On va récupérer la rune prosp, le petit over. Reste 12. Ah, même comme ça, c'est chaud de ouf. Bah, il reste 2. Je peux lancer un crit. Non. Pas de PO. 49 depuis. Il faudrait un moins 6. Évidemment. Ok, ça c'est pas trop mal, moins 2. On s'en sort correctement, mais encore une fois. Je pensais pas que le fait de mettre la prospection, ça allait à ce point-là augmenter la difficulté de réalisation de l'item. 7 depuis. Crit. 2 depuis. Pas de PO. Aïe. Bon. Là, ça peut donner un truc. La question, c'est Pavi. Enfin, Painé ou Rainé. Comme je suis un streamer interactif, j'ai fait voter mon chat et ils ont voté Painé à 74%. Donc voilà, on est parti. On a 49 depuis. 7. 7. Bon. En vrai. Ça va plus être pire. Bon, c'est de la merde, mais ça va plus être pire. Ouais. En vrai, je pense que je verrai feu parce que je préfère pouvoir mettre de la part écrit, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, en vrai, sur un malentendu, là, il y a moyen que ça passe, non? Moins 4. Ah, ouais. Oh! J'allais dire un truc qui passe pas et c'est terminé, mais bah, c'est terminé quand même en fait. Il reste 3. C'est terrible. Terrible. Je pense pas avoir du rap d'avant. Pas de PO. 50 depuis. Ok. Ok. Pour l'instant, ça va.
Ok. Ok. Ah, 6 de puits restants. Ah, c'est vraiment terrible. Le truc, c'est que même avec un truc clean où j'ai quasiment pas d'échecs et tout, avec un jet qui était bon de base, en fait, j'ai pas assez de puits. La prospection, ça met vraiment au fond. Je pensais pas que ça allait à ce point-là impacter la difficulté. Normalement, les corrompus, je m'en sors trop bien, mais. Le meilleur call que j'ai, c'est de remettre le PO et d'espérer qu'il tombe vite, en fait. C'est d'essayer de mettre les runes les plus grosses. De là, pas ça. Mais ouais, y a rien à faire en fait. Crit. Il va vraiment falloir avoir une tenta. Faut vraiment la tenta pixel parfaite qui tombe pile au bon moment où il y a toutes les runes qui passent pour qu'on ait une chance de sortir quelque chose. Mais c'est. Je m'attendais pas à ce que la prospection impacte à ce point en fait. Et ça remet en cause toute mon idée de faire des stuff PVM full PP partout. Si c'est à ce point-là plus dur avec la PP. Bon, je continue à tryhard encore la PP. Mais je verrai si vraiment c'est trop dur ce que je fais. J'aviserai. 42 depuis, bon là le G est bas, il va absolument rien se passer. Mais j'avais dit que cette tenta c'est l'aide de la merde, donc bah c'est de la merde, donc c'est parfait. Je suis en phase avec mes prédictions, il n'y a aucun problème. Alors évidemment maintenant que j'ai dit ça, tout se passe bien. Ça c'est la classique, hein, vous inquiétez pas. Tac. Ah oui, bah c'est marrant là, réécrit comme ça là. Let's go. Ah, je crois que j'ai plus beaucoup de puits. C'est vraiment pas de chance. Pas de PO. 47 de puits. Bon, ça a un peu une sale gueule, on va pas se mentir. On va être plus fort que ça. 32, 32, c'est 6,4 à récup. 32, c'est 2 x 16. 32, c'est 2 x 16. Donc je peux faire. Ou alors je peux faire comme ça. Tac. Ok, j'aurais bien aimé avoir du moins 11. On va pot du coup pour sécure. Ensuite, on va painer. Painer. Rainer. C'est pas trop mal. On récupère encore notre écrit. Mais disons, elle doit passer un jour cette écrit ou pas? Oui. Pas fui. Ah, j'aurais bien voulu un crit là, je vous avouerai. Et il me reste 11, ça va être compliqué. Plus de puits. Pas de PO. 45 de puits. Alors là, c'est tricky parce qu'on a un over vita de 25 à faire. Et on a déjà tous les deux feux, donc je vais garder ça à la fin pour gérer avec l'arme de chasse. Donc là, en fait, il faut surtout qu'on gère l'inni. Enfin, l'inné, pardon, l'intelligence. Je vais changer un tout petit peu d'approche par rapport à la session précédente que j'avais faite. Je pensais pas que la prospection allait à ce point impacter la difficulté de réalisation du FM. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre la prospection si on peut aussi haut que possible, mais je vais essayer de garder toujours assez de puits pour avoir une tenta chasse et tenta PO. Enfin, une tenta chasse, remettre le PO et. En ayant le max de PP, mais je vais pas me forcer à faire le 15 PP sinon rien, parce que là sinon, comme j'ai 18 persos à stuff, en fait, si je passe déjà une semaine sur un item, ça, en 2023 la team sera pas stuff en fait, donc on va essayer d'être un peu raisonnable, et on va partir là-dessus. Bon, il faut déjà l'over intel qui passe bien, ça fait plaise. On récup les récris, allez, moins 8, moins 6. 11 de puits. Bah, il faut que la ravie passe et que j'ai la chasse derrière. Ok. Moins 10. Donc là, voilà, vous voyez, si j'avais eu par exemple 13 de puits, bah, j'aurais fait une tenta prospection et ravie. Et là, bon, bah, du coup, on fait comme ça. Et je pense que je ferai ça globalement sur tous les items. J'essaierai de maxer la PP parce que c'est pour PVM. Mais je vais éviter de mettre un délai de 3 mois sur. Ah, le chat me dit le crit. Aïe! Aïe, la boulette. Coup dur pour le crit. Je me disais bien que c'était trop beau que ça parte bien sur une. Non mais je viens de lancer le live, j'ai pas encore recréé le contact avec l'item, vous voyez ce que je veux dire? Ok, on n'avait pas la chasse. Vous voyez comme ça on se console et on se dit en fait tout va bien. Ok, on n'a pas le PO. En vrai je peux tenter Rasa pour peut-être essayer de casser le PO. Alors le crit Rasa, c'est aussi une option également, effectivement. Pourquoi je fous le crit quand j'ai pu. Hein? Putain, ça a pas grand chose, ça aurait pu donner quelque chose là, mais. Bon. On continue.
Ok, donc là, le PO qui tombe pas longtemps après, le G il est encore très très haut. Malheureusement, il y a une ligne qui fait chier, c'est l'Intel. C'est vraiment le seul truc qui nous troll. Il faut absolument que la Rainée elle passe. Il y a peut-être encore moyen de récupérer quelque chose. Hein. On va aller chercher. Repère. Écrit. Petite rune random. Moins 5. Ça peut le faire, hein. Il faut juste que tout passe bien. Oui. Pourquoi? C'était good, on avait l'attentat à chasse et tout. Bon, là on a un petit problème de puits si vous voulez. On a moins 12. On a moins 2. On a tout pile 0 de puits là. Problème c'est que là j'ai pas ma rune chasse. Entre nous. J'ai un passif avec cet item. J'ai déjà passé des jets qui avaient de la gueule. Allez, je pense que le chat me dit de le vendre. Mais pourquoi vous... comment vous voulez qu'on ait des near perf PA si on met pas de PA sur les near perf en fait? Moi, je vais arrêter de me. Le chat, il me fait perdre de la noblesse. Vous allez me rendre mou à force là avec vos trucs. Oh, vas-y, vends-le. Non, non, non. Ok. Pas de regret. On continue. 46 depuis. Toujours un peu technique la vita à gérer. Hein. C'est toujours le problème. Mettre une petite rune chat qui passe. Moins 6, pas de chance. Deux feux. Moins 4. Moins 12. Moins 9, il me reste 1. J'ai encore pas de tente à chasse, vraiment, c'est ma vie ça. Bon, si vous voulez. Je venais. Le chat a pété un câble en fait parce qu'ils m'ont dit que j'abusais de mettre le PA, j'aurais dû le vendre machin. Et je leur ai dit, je vous préviens si les cas de figure se représentent. De toute façon, pour PVP, je transe que sur du full perf. Et pour PVM, il me faut arme de chasse. Donc si le cas se représente, je PA en fait. Donc bah, c'est juste parti en fait. Pas de PA. 45 de puits. Alors la vita là par contre abominable. Bon bah il reste 5, hein, c'est magnifique. Du coup on a une tente à chasse, c'est bien, faut être positif. Ok, j'ai 28 à virer. Elle est comme ça. Comme ça. Elle est rainée 6 d'intel. Allez, c'est bien, ça dégage. Très belle tente à 41 de puits. Faut qu'on gère la vita et il y a moyen que ça donne un truc assez strong. Oh yes! Yes, yes, yes. Bon, j'ai 22 à dégager. Je pense que je vais y aller à l'ini. Il me faut 2-5 et 2-6. Ah, je pourrais presque pas de là, mais comme j'ai l'ini qui est passé du coup. Ok, allez, 1-6, please. Une chat. Moins 3. Bon, on s'en sort à peu près. Dommage, hein, j'aurais bien aimé avoir le perf. Ça m'aurait mis assez bien. On va go pas ça. Qui passe pas. Alors là, j'ai eu. Plus. 0,1. Plus. 0,1. Moins. 7,5. 23,7 restantes. Oh putain, la sagesse qui nous chie dessus. Sérieux, l'attentat était magnifique, ça casse les couilles. 42 de puits. Bon, la vita un peu relou. Très relou même. Bon, bah, GG à tous.
Hop, on va go tech. Oui, bah si j'ai un peu de crit pour compenser, il pourra peut-être passer un truc, mais bon, en vrai, j'ai moins 8 du coup. Bon, on va aller nulle part, hein, mais bon, du crit encore. Je me disais aussi. Tant pis. 42,4 depuis. Vita. On va mettre 3. En vrai, je vais réécrire, je pense. Non, je peux 3 ini. Faut du moins 6 à tout prix. Nice. Ensuite, l'Intel qui passe, ok. Moi, j'ai eu un petit plus 0,1, mais ça, on s'en fout. Ok. On va aller chercher ça comme ça. Ensuite, le retrait. L'aide au feu, évidemment. Puis, dommage. 49. On va commencer par faire ça. Ok. Ensuite, il faut ravi. Moins 10. Là, il me faudrait un moins 5 et une pod. Ok. Ensuite, on va venir chercher les 60. Moins 6. Les petites récrites. Moins 2. La rainée. Moins 10. Repère une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et plus de puits. Dommage. 41, j'ai envie. Ok, on va rainer. Oh, bah bien sûr en fait. J'ai failli ne pas la filmer en me disant ça va être une tentative de merde, mais attendez, en vrai là il peut se passer un truc. Là déjà il faut pas que je reste en sujet là-dessus. Oui, non mais en crit on gagne du puits comme ça c'est parfait. J'ai presque envie de bourriner les pavis. Ça peut être un plan en vrai. Vas-y go. Pour la science. Et voilà en fait. Mais bien sûr. C'est insane en fait ce qui se passe là. On est où là? Mais c'est vraiment parce que j'ai compté mon puits, mais genre je passe les runes et j'ai pas besoin de toucher le puits en fait. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on va mettre ça. D'accord, donc là c'est le karma qui me rattrape, c'est ça? Alors j'ai fait le con parce qu'il fallait que je mette une plus 1 avant la plus 3. Bon, c'est pas très grave, mais je fais de la merde. Ok, alors bah parfait. Ouais, dommage. Putain, on était pas très loin, mais. Évidemment, il y a le PO. Pas moyen de casser le PO maintenant. Non, bon, on continue. 49 depuis, on n'est pas très longtemps après l'attentat précédente. Bon, malheureusement, la Vita et la Talon ont bougé, mais le G reste quand même globalement très haut. Faut pas que je fasse de la merde là, il faut que je passe la Vita. Là, j'ai 8 à récup. En vrai, je peux mettre la retrait PA et faire une moins 5. J'ai pas beaucoup de congruence à jouer. En fait, là, j'ai du 7, du 4 et du 6. Je vais mettre la plus grosse, hein. Fallait pas le 36. C'est pas de chance. C'est une rune chance. Bon. Maintenant, l'intel. Ok, ça passe. On récupère pas à la repair. Oh, j'ai zéro rune qui passe, c'est dommage, allez, ça aurait pu être beau, tant pis. 48 depuis. Alors on va y aller. Oh, j'ai envie de mettre de la rune Intel, mais non, on va y aller. Ini, on va essayer de faire un petit. Ok, là je peux taper un moins 3. On va tenter la rune chat. Moins 4. Bon, je m'en sors quand même pas trop mal. C'est tricky ça, hein, mais je connais les petites astuces, moi. Qu'est-ce que vous croyez? On va mettre une pas. Ouais. Alors attendez, faut que je compte les décimales là. Alors on a plus 0,1. Alors attendez, c'est quoi ça? 0. Ça 0,4 Vita. Ouais, j'ai plus 0,1 encore du coup. Plus 0,1. Ensuite, j'ai. Moins 2,3.
25-9. Let's go. Non, pas de... Oh, dommage, l'Intel qui me troll. C'est tout le temps ça, je me casse la tête à vraiment compter pour au final avoir des runes qui me font moins reliquat. Bon, allez, on continue. 44 depuis. Bon, la Vita, on va pouvoir la laisser comme ça fait plaisir de pas avoir à galérer. Allez, il faudrait juste que l'Intel troll pas. Ah, moins 20, c'est un peu relou, mais... vu le jet qu'on cherche, en fait, juste de taper une rune qui passe pas, c'est terrible. Bon, moins 9, il y a peut-être encore moyen de négocier un truc. Dofeu qui crit, évidemment. Les récris. Ouais, on m'a fini. Game over. Allez, on continue. 42 depuis. Alors là, ce qui est dommage, c'est que j'ai pas de Dofeu à récup. J'aurais bien aimé avoir un Dofeu à claquer sur l'Over Vita. Qui passe, c'est déjà un bon début. Là, ça m'aurait fait un moins 25, ça aurait été ok. Alors, ce que je peux faire, c'est... En vrai, je peux récri. Pourquoi ça... Les crits, c'est toujours quand il n'y en a pas besoin. C'est un truc de fou, quand même, ça. Hein. Je pourrais claquer une painée. C'est archi greedy, mais si ça passe, ça me met hyper bien. Oh, let's go! Let's go! Mais bien sûr, en fait! Ok, donc ça, c'est très très cool. Je pourrais mettre une prosp, en vrai. Bon, l'idée c'était quand même d'enlever mon over, donc les crits ça va 2 minutes. Ok, bon, c'est acceptable. On va y aller comme ça. On va faire par écrit, moins 12. Fuite qui crit. Bah enfin, je vais l'avoir ma tente à chasse. On a 20 de puits, mais c'est une tente de psychopathe que j'ai là. On a encore 20 de puits sur ce jet. Qu'est-ce qui se passe? On va même pouvoir monter la PP. Allez. 11. Est-ce que je me garde deux tentes à rune chasse? Ou est-ce que je m'en garde qu'une? Ça, c'est le truc c'est que là, j'ai deux tentes à prosp, une chasse. Ah, mais on va pas laisser un item à 14 pp pour... Enfin, 14 pp. Tu le mets à 11 pp, tu te dis, c'est un jet négligé pp, ok. Mais tu laisses pas un item à 14 prospection. On est où là? Oh, non, mais attendez, vous m'avez écrit pour qui là? Évidemment, Congo pp, en fait. Mais voilà! On peut avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière en fait. Qu'est-ce que vous allez me faire? Évidemment. Évidemment les amis, mais voilà, de temps à chasse. Évidemment, je me fais boulos par le jeu, mais comme toujours en fait. Et on a le PO, mais on n'a pas la rune chasse. Donc on va encore mettre un PA parce que voilà, c'est ce qu'on fait. Alors pour l'histoire les amis, c'était quand? C'était hier ou avant-hier? Oui, hier je crois. J'ai tenté deux PA sur des jets near perf comme ça. Bon, classique. Sauf que j'ai passé un exo PA random pour un mec cet après-midi qui m'a demandé de lui faire un exo, un truc débile. Il m'a payé pour lui faire 3 tentas. Genre le mec il s'est dit vas-y je vais payer un forge mage pour lui faire 3 tentas, pour qu'il me fasse 3 tentas sur mon exo. Qui fait ça? Bon bref, moi vous savez le client est roi, il paye, je lui fais ce qu'il veut. Et là, évidemment, ma première rune PA qui passe. J'avais envie de tout casser. J'étais en mode mais putain mais ça fait des mois que je travaille des PA sur des jets de ouf PVP et sur des items 200. Et pour un random qui fait un anneau éclaté, il y a le PA en first try. Donc évidemment, voilà, il va pas passer, mais bon, si vous voulez, pour le beau jeu, on va quand même le tenter. Donc bah, c'est parti, on clique. Ah, pas de PA, pas de chance. 50,6 de puits. Ah, évidemment, l'Intel qui troll. On va commencer par la Vita, qui passe, nice. Bon, là, il me faut le moins 6, c'est parti. Évidemment. Le moins 5, alors là je me suis fait... C'est un échec complet là, vraiment. Bon, ça peut pas marcher à chaque fois, hein, les petites techniques chimiques là. Moins 3. Aïe. Aïe. Bah, GG à tous, c'était cool. Ah, ça va être compliqué d'avoir des tentats chasse sur GPerf là, hein, vraiment, pas de chance. La Passa qui a troll, 33 restants. Bon, on va bourriner. Bon, bah oui. Mais bien sûr, en fait. Forcément, ça passe mieux comme ça. On va enlever ça. On va over ici. Oui. Qu'on va récup ici également. Tac. En plus, on récupère. C'est magnifique. Repair. Repair. Les crits. Non mais je crit parce que j'ai plus beaucoup de puits, donc comme ça me permettra d'avoir peut-être une tente à chasse. J'ai plus de puits. Bon, bah tente à PA si ça passe. Ça passe pas. 44 de puits, l'attentat peut être très bien si on monte à 350 vita.
On va y aller à la Pavie, ça m'a pas mal réussi récemment. C'est un peu greedy, mais... En vrai, c'est pas mal, hein. Moins 15. Il y a une époque où j'aurais vraiment jamais fait ça, mais ça fait plusieurs fois que je tente, et en vrai, ça se passe plutôt bien. Tu sais, c'est que si j'avais over, j'aurais pu me taper un moins 6 après, vous voyez, alors que là, je sécure le perf. Moins 15 encore, bon, ça fait un peu plus chier pour l'intel. Bon, je préfère me taper des échecs sur les païnés que sur les rainés, évidemment. Mais attendez, mais c'est pas trop mal ce jet là. Petit crit. Ah, on a plus de puits, bah c'est vraiment pas de chance ça par contre. Bon. Petit PO là peut-être? Non. On continue. Oh, attendez la petite pado. Faut tenter les grosses runes en fait dans les cas là, parce que si ça casse le PO, ça régale. Let's go! Cassez-moi ce PO! Bon allez, on continue, tant pis. 47 de puits. Petite rune chat. Ok. Je vais y aller comme ça. C'est pas mal. Les rats qui trollent tout le temps, hein, c'est terrible. Hein. C'est vraiment terrible. Hein. Je suis juste à plus 1 pourtant en over là. Rien à faire. Bon, je sais pas, la tantala, j'ai envie de la faire un peu à l'arrache. Ça me prend comme ça des fois. On a 1. Plus 44, moins 4. 41, la ravie. Allez, bah c'est bien ça. Mais bien sûr en fait. 49 de puits. Allez, c'est parti. Ça commence, moins 20. On va plutôt sécuriser le near perf là, petite pod. Ok, j'ai plus 0,1, moins 7,5. Ok, petit crit. Oula, j'ai plus de repères, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça me régale quand je me dis ah, je vais pas avoir assez de puits pour finir et puis que je full crit dans tous les sens, ça c'est vraiment c'est une sensation absolument délicieuse. Hein. Mais là j'ai pas de quoi tenter ma fuite. Je peux la tenter en crit. Je peux tenter de crit ça. Je peux tenter de crit ça. Ah bah évidemment. Là je mets un PA et évidemment le PA va passer là-dessus. Ouf, oh, ça m'aurait fait chier que ça passe sur un 24 écrit, j'aurais tout cassé. Allez next. Alors je suis en train de remonter mon jet après le PA, mais je sais pas ce qui se passe, j'ai le PO qui tombe, mais j'ai un truc exploitable, faudra m'expliquer. J'ai pas spécialement d'over à faire, je vais commencer par la récré parce qu'elle peut être un peu tricky à ce stade. Je pourrais même pas récré into... Non, je vais juste récré. Voilà. Ça passe encore bien à 25. Ouais, ça peut carrément donner un truc là, mais moins 3 en fait, si la rain ne troll pas. Si le crit ne troll pas, moins 20. Évidemment, on aurait trépé à qui troll, mais pourquoi ça trônerait pas en fait? C'est évidemment ce que je mérite, puis ça crit maintenant. Mais forcément en fait. Mais qu'est-ce que je fais? Je peux même pas mettre un PA là-dessus, c'est trop moche. Bah, je suis un peu in the sauce. Bah, on va juste reprendre le FM, hein, mais ça fait chier en fait. Il manquait trois fois rien. Non, mais je vais pas mettre un PA sur un moins 1 fuite. Imaginez ça passe, comment je serais deg après. Je peux espérer un miracle là, mais bon, c'est un peu... En vrai, le petit crit là. Non. Tant pis, bah, on continue. Hein. Magnifique Tanta, 49 de puits, les congruences, la vita, la sagesse, perf. J'étais en train de me dire juste avant, allez, il faut que je fasse tomber le PO sur la Rainée. Elle a crit, mais ça tombe juste derrière, c'est incroyable. Bon, je vais aller païner à 62 et ensuite il faut vraiment que la Rainée troll pas. J'en ai marre de me faire troll par des Rainées. S'il vous plaît, Dofus, régalez-moi là-dessus. Allez, c'est maintenant. C'est ok en vrai. Ah d'accord, donc c'est la récré qui va nous troll en fait. C'est donc ma vie. C'est ce que je mérite, littéralement. Bah écoutez, bah GG à tous. Et j'ai plus de quoi finir. C'est terrible. Alors, je peux crit, effectivement, mais... Non, c'est pas pour maintenant.
50 de puits, encore une belle tenta ici. Allez, faut que la Rainée troll pas. Oh yes, pour une fois, je me fais pas bolos par la Rainée. Et là, c'est magnifique. Mais attendez, mais c'est peut-être la tenta, celle qu'on attend depuis le début, l'élu. Attendez. Alors je me disais aussi, c'est quand même bizarre que ça se passe bien, qu'est-ce qui se passe? Bah j'ai plus de puits en fait, mais évidemment. La part écrit qui nous bolos. Je me disais, c'est bizarre que ça se passe bien. C'est la Rainée à pas troll, tout va bien. Allez, on continue. 46 de puits. Ok, moins 12. Ouais, c'est bien ça. Ben voilà, on a monté la vita, plus de puits, fin de l'histoire. Ok, le moins 6 qui régale pas trop. On va mettre ça comme ça, ça comme ça. Bon, je compte plus le puits, j'y crois plus. Hein, par un miracle là, ben, je misclic évidemment. Non mais si vous voulez, on retombe sur nos pattes, donc tout va bien. Ok, voilà. 49 de puits. Ça peut faire une dinguerie si la ravi troll pas. Mais voilà en fait. De toute façon, je me fais jamais troll par des runes, hein, moi ça ne m'arrive pas. Qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Je peux tenter le full perf en vrai. Hein. Il me faut moins 11 et pod. Dommage. Je vais tenter de bricoler peut-être un truc à la runini. Ça fait quoi si je fais ça? Moins 10. C'était pour la science, hein. Petite Rainée qui passe. En vrai, c'est plus que correct. 30 de puits. Ça peut finir en PA, PA moins invita, ça. Ça, je reconnais, ça. Qu'est-ce que j'ai fait avec mon puits? J'avais 30, j'avais dit, je l'ai effacé, je suis un bouffe. J'avais 30. J'avais 30, hein. 30 moins 4, j'ai 26. Ok. Reste 7. Pourquoi il y a toujours une rune qui fait de la merde? À chaque fois, hein, c'est un truc de fou quand même. 46 de pluie avec une vita affreuse. Voilà. Voilà. 19. En vrai. Ouais. On va envoyer les comme ça. Hop. Hop. Et hop. Mais non, mais pourquoi elle troll tout le temps celle-là? Évidemment, il me reste 4 et une tenta à chasse, c'est 5. Et j'ai le seum. C'est terrible en fait. C'est tout le temps ça ma vie. C'est tout le temps ça. Quoi que je fasse. Je me fais bolos par les items en forge de magie. Bah, je regarde si j'ai pas un peu de puits qui reste avant, mais. Je crois pas, hein, j'avais regardé. Attendez, j'avais commencé où? Peu est tombé là, j'avais compté jusque là. C'est chiant, là j'ai moins 9,6. Oh bah oui, avec un moins 9,6, on va pas aller loin. Non, bah je suis abattu. Je peux tenter un crit. Je peux tenter un crit chat et je gagne une tente arme de chasse. Alors quand je veux un crit chat, je vais me faire foutre. Par contre, les crits de prospection, c'est juste la fête en fait, c'est ça? Bah faut cliquer, hein. C'est... J'ai pas le choix, hein. Pas de PA. 42 de puits sur un truc qui n'a un peu aucune gueule. On est juste après l'attentat PA. Je suis en train de remonter, j'ai passé une petite painée à 67, voilà, qu'est-ce qui va se passer, en fait, on verra bien. Le reste n'a pas été trop touché, on va test. Ça fait mal, ça. Non, nul à chier. 41 depuis.
Bon, il y a des grosses runes à crit, si on les passe, il y a moyen que ça fasse un truc. Moins 19. Petit crit. Unlucky. Évidemment, ça passe. C'est terrible, hein. Le PO comme d'hab. Tant pis. 48,2 depuis. Bon. On est juste après l'attentat d'avant, mais ça a juste pris le temps de me ruiner ma vita à moins d'un tel, et voilà, donc super. Ah là là là. Bon, on va commencer par la vita en vrai. Ok. J'ai 41 à virer, ça me fait juste un peu plus que 8. Je vais tenter retrait PA. Ouais, il meurt. Et là, je peux encore avoir un moins 6. Non, dommage. Ok, je m'en sors à peu près. On va tenter over un tal into retrait PA. Je pense que ce sera le meilleur call. Pas de chance. Bon, évidemment, juste quand je tourne les yeux pour regarder le chat, le PO tombe mais je vois pas, donc ça c'est très bien. Bon, on a 25,6 depuis là-dessus. On va venir painer. Je pourrais mettre deux récris. Non, je peux pas iner en fait, juste. Voilà, et là, j'ai ma petite tenta chat, il me faut un moins 5. Et voilà! Mais attendez, mais c'est du full pair, ça, je reconnais. Il nous reste 25. C'est mort. C'est pas mort! Eh oui, l'ascenseur émotionnel, once again. Oh là là, mais bien sûr. 9 depuis. Attendez, 9,6. Faut que je compte les décimales là. Là j'ai 0,1, j'ai 0,1. Ah mais non, c'est de la Vita! J'ai plus 0,4. J'ai deux tentes à chasse. J'ai plus 0,2 sur chacune des moins 16, 3 intels là. Oh, c'est si beau. Mais c'est de l'opti en fait. Mais c'est. C'est de la tenta absolument parfaite. Bon, on est quand même sur un G full pair PVP. C'est terrible, hein. Ça fait deux fois que j'ai deux tentes à chasse et je me fais bolos. Hein. Mes PO passent, il n'y a pas de problème, mais j'ai pas ma chasse en fait. C'est absolument terrible. Bon. Pas de PO. Vraiment dommage là. J'en avais besoin pour PVP en plus. 47-2 depuis là-dessus. Allez, spam pavis, c'est maintenant. Hop, 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 allez, on speedrun, hein. C'est juste parti. Hop, hop, hop. Ah, plus de puits. Belle tenta en congruence, mais on n'aura jamais assez de puits. Bon, je compte pas, on y va comme un singe et on voit où ça nous mène. Hop, 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 hop. Voilà, fin du game. 47 de puits. Bon, la Vita qui troll un peu. Peu, mais le crit qui met bien, ok, j'accepte, ça me va. On va essayer de grid un peu le perf, le full perf peut-être. On va ini et runcha. Alors non, c'est pas ce que je voulais. Là du coup je suis un peu dans la sauce. En vrai je peux. Je vais remettre une chat, je pense. Hein. Ouais, bon, c'est de la merde. Ok. Moins 2. Moins 15. Moins 20. Ah, ça me détruit des rainées à chaque fois, c'est terrible. Terrible. Ouais, bah encore une fois, je crois que j'ai mal compté en plus. Ouais, quoi, je sais, non, je crois que c'était bon. Bref, encore un raté. Encore une tenta bien éclatée, on va même pas compter le puits, on va bourriner les runes, ça va bien se passer. Regardez, tac, tac, là j'ai un moins 11 qui sort. Alors non. Ok, du coup on va ini. Moins 5. Ah, je voulais un moins 6, je l'ai pas, c'est pas de chance. Tac, évidemment, échec. Hein. Vraiment, on en est là. Vas-y, on va monter l'intel comme ça c'est bien. Tac, 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 tac.
Eh, hey, vous avez vu en y allant comme un singe? J'étais à une rune, hein. Attendez, le crit peut encore passer. Bon, apparemment, ah bah oui, mais maintenant qu'il doit tout m'enlever. Oh, attendez, le petit crit retrépère peut-être. Mais c'est une tenta PA, ça. Bon, c'est de la merde, hein, mais... Pas de PO. Alors évidemment, je regarde le chat jusqu'à quand le PO tombe, donc bah, je perds 3 de puits sur de la PP que je veux pas en priorité, ça régale. Allez, la Vita, j'ai fait de la merde. J'aurais dû commencer par la rainer. Je fais n'importe quoi, le chat me perturbe trop, je suis en train de fissurer complètement. Moins 10, bon vas-y, ça va le faire. Voilà, on récup. En vrai, on s'en sort hyper bien. Vraiment, là j'ai full chaté. Mais je méritais pas, hein, vraiment. On va faire tac tac. Oh bah oui, du full crit, c'est bien ça. Mais bon, mais bien sûr, en fait, tous les jours. Tous les jours, le crit. De feu. J'ai peur de plus avoir de puits. Oh. Moins 13, 0. C'est un truc de fou quand même. Est-ce qu'on a le PO là-dessus? On n'a pas le PO. 46 de puits. On peut aller choper le perf peut-être. Oula, c'est pas bon ça. On aura tenté, hein, pas de regret. Attendez, on a combien là? On a plus 0,1. Et là, on a... Attendez, on a moins 10, plus 1... Oh, putain, j'ai pas le focus. Moins 10, plus 1, plus 0,1. Ensuite, on met ça. Parfait. Hop. Moins 4. Un depuis, pas de chance. Le PO, évidemment. Bon, bah, on enchaîne en espérant que ça tombe assez vite et qu'on puisse enchaîner sur une belle tenta. Très belle tenta ici. Il faut juste que les overs trollent pas. Oh, c'est bon ça. Moins 10. Allez, il me faut 74 into fuite. Nice. Ça peut carrément le faire là. Pas trop. Putain, c'est ma vie ça. Bon, ça va, je l'ai réécrit. Ouais, je vais pas me plaindre, hein, ça me met bien. Mais c'est juste un truc de fou. Chaque fois que j'ai pas spécialement besoin d'un crit, j'en ai un. Et si seulement l'inverse marchait aussi, ça serait cool. Allez, ça. 18. Bon. J'ai 18 à mettre, donc il faut deux succès neutres, un succès crit et j'ai une tente à chasse. C'est mort. Bah oui, c'est marrant ça. Ça aurait pu faire aussi un full perf hein, pour PVP. Évidemment, il y a le PO. Ça me détruit. Hein. Ça me détruit. Hein. Tout le temps, à hein, 3 fois rien. Hein. C'est depuis le début du FM, ça se joue à un pouillem à chaque fois. Non, bah on continue. Tant pis. 41 de puits là-dessus. Aïe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui. Voilà. 48 de puits. Allez, il faut double moins 11 là. Vas-y, on va pod, ce sera plus safe. Painé. Oh, le crit. C'est pas mal en vrai. Je retombe sur mes pattes. Seize restants, ça va être short encore. Depuis. Évidemment le PO comme d'hab, hein, on connaît. On continue.
42 depuis. Ça va être chaud d'aller au bout, mais si on a un moins 6 vita, on peut viser le full perf. Ok, nice. Allez, moins 6, please. On fera avec ça. Alors attendez, j'ai combien en puits là? Plus 0,1. Attendez, j'ai moins 3, plus 1, plus 0,7, 30, 0,8. Moins 9. Moins 10. La flûte qui me troll. Bon, c'est fini, hein. Dommage. 40 depuis là-dessus. Ok. Allez, il me faut moins 5 et moins 13. Bah évidemment moins 6. Non, mais pourquoi en fait? Pourquoi ça se passerait autrement que ça en fait? C'est évident. Terrible. Vas-y, go mettre des grosses runes là. C'est bon. J'ai eu ma dose. On compte pas le puits, on a un rebelle. Tac. Pourquoi compter le puits alors que de toute façon on n'a pas assez pour finir en fait, évidemment. Bon, ça c'est encore une tenta éclatée, je reconnais ça. Ça c'est de la dope ça. Alors on fait quoi? On fait tac. Bon allez hop, on y va comme un singe. L'intel, vas-y, on va faire tac. Hop. 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 Et voilà, plus de puits. 43 depuis. Ok. On va essayer d'aller chercher le père Vita. C'est mort. Ça passe plutôt bien. Peut-être moyen de négocier un truc là. Allez, là il faut pas que ça troll. Oh oui, pour une fois que je me fais pas bolos. Oh mais bien sûr. Il me fallait pas. C'est vraiment terrible, hein. Il suffit que je me tape une rune qui passe pas et c'est fini en fait. Terrible. Il manque toujours un truc qui mis. Une rune qui fait de la daube tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est tout le temps la même. La fuite aurait pu taper dans la PP, quoi. J'aurais pu éventuellement espérer ça, mais. Bon, bah, on continue, on continue. On garde le moral, on adore ça. 45 depuis, dernière tentative de la soirée. Allez, il faut que la Vita troll pas, le reste peut être assez stylé. J'avais dit, dernière tentative, je sors une dinguerie. Ah, il va falloir beaucoup de coups critiques là. Là, il va falloir crit dans tous les sens. Ah là 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 là. Ah là là, c'est vraiment un lucky. Vraiment, bah c'était une belle soirée, hein. Vraiment, il n'y a rien à dire. Bon, évidemment, la PP qui troll, le misclick prospection, pas prosp évidemment, hein, pas juste prosp, hein, sinon c'est pas drôle. Aïe. Aïe aïe aïe. Bah oui, bah forcément en fait. Pouf. Bon, celle-là, c'est vraiment la dernière. Allez. Hop, 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 plus de pluie. Bon, allez, hein. On va ravi. Bah, c'est bien ça. Bon, il faut qu'on ait un moins 26. Évidemment. Évidemment, on va faire ça. Il me faudrait un moins 11 là. Bon, ça se tentait. Évidemment, là je vais avoir un moins 6 alors que j'en ai plus besoin. Oh, non, bon. Bon, je suis dans la merde hein, quand même, là pour finir. Au niveau puits, ça va être très chaud. Dommage. Magnifique tenta à 42 de puits. Alors là,
Je pourrais soit faire un petit overvita et puis aller chercher du near perf, soit grid le full perf avec Pavi, Ravi, Pod. C'est le début de la soirée là. On va donc être un peu optimiste. Et on va aller chercher le gros G. Aïe. Bon, j'ai plus de pluie effectivement, mais c'était cool. Et là, bon, en congruence, on est archi bien. Maintenant, il faut juste que ça passe, quoi. Mais ça va être un peu compliqué. Il aurait fallu que la Ravi passe du premier coup, en fait. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai mal compté mon puits. Ou alors je l'ai bien compté. Moi, si je l'ai bien compté, par contre. Ah oui, j'ai plus de puits, en fait. Ouais, bah, my bad, my bad. Bon, on continue. Bon, j'ai tenté de faire tomber le PO sur des ravis rainés quand j'avais des bonnes congruences. Évidemment, ça a juste baissé un peu, donc là, je suis un peu embêté. On va commencer par l'intel. Ok, qui troll pas. C'est déjà incroyable, hein. On va évidemment récupérer l'over qu'on récupère pas malheureusement. Ok, bah je me fais pas trop troll en vrai, c'est assez étonnant. Je pourrais sécure comme ça. Je peux tenter le moins 11 à la récré et la pod. Ah là, c'est la sauce par contre. Ouais, il m'aurait fallu un petit moins 11. En vrai, on va tester de bidouiller l'ini. Moins 6, moins 5. Petit tour une chance. Moins 4. Bon, voilà, j'ai essayé de m'approcher au max. Ça, c'est de la. C'est un niveau de forge magie, les amis. Ça, vous n'avez jamais vu ça, évidemment. Bon, et eh ben écoutez, on s'en sort à peu près. On va bourriner les récré à 25, je pense. Attendez, parce que j'ai peut-être récupéré des décimales depuis. J'avais 36,6. J'ai plus 0,2. J'ai plus. Qu'est-ce que c'est que cette horreur là? 0,8. Moins 4, j'ai 23,6. Mais attendez, mais là il peut se passer un truc peut-être, non? Ah non. Non, moi je me disais aussi. Qu'est-ce qui se passe? On est bien là, pourquoi? Et non, non, évidemment, on se fait troll. Hein. Ça m'aurait surpris, je me disais, qu'est-ce qui se passe? On va peut-être réussir l'item là. What the fuck? Mais non. 48 depuis. Oh, je viens de me rendre compte que j'avais plus de runes ravies en stock, là ça m'aurait mis dans une sauce de devoir en racheter. Bon, on a les bonnes congruences, mais comme d'hab, on risque de manquer un peu de puits pour finir, hein. Ça c'est un peu terrible. Après, si on se fait pas trop troll, ouais non, même dans tous les cas on est dans la merde quand même. Ok, on a du crit. Et ça, moins 7, il me reste 12, ouais, il va falloir beaucoup de crit quoi. Bon, fini. Oh! En vrai, c'est badant, mais non, je finirai pas. Hein. Dommage. 47,4 depuis. Bon, on n'est pas trop mal sur les congruences là. Oh, ça troll pas. Attendez, mais c'est une belle tenta ça, je reconnais. Oui. Moins 10. Et c'est du perf ça. Oui. Allez, la rainée, c'est le passage le plus dur. Oh oui! Mais attendez. Oh, ouais, non, je vais être short encore. Attendez. Oui. Oh non, il me fallait juste pas d'échec critique. En fait, dès que je me tape un échec critique, c'est terminé. Bon, voilà, je me prends moins 18. Même pas, moins 20. Moi, j'avais un peu de rap d'avant, du coup. J'avais pas beaucoup remonté. Terrible. PO qui passe pas. J'aurais pu tenter la Puffy pour le casser. Tant pis, on continue. 47 depuis. Il faudrait juste qu'on arrive à gérer la Vita sans trop de pertes. Bah, GG à tous, hein. Bon, bah, pour le beau jeu, on y va, quoi, hein. Bon, moins 6 évidemment, allez, c'est bien. Dommage, hein, ça aurait pu. Alors, après, si je full crit tout le reste, effectivement, il peut se passer quelque chose. Hein, mais bon, je veux bien, il n'y a pas de problème. Hein. Attendez, mais j'ai combien du coup là? Mais c'est insane ce que je viens de me prendre. J'ai moins 30 à la base. Ça sera vraiment si je me tapais pas le trolling de la Vita là. Moins 30, j'ai moins 5, il me reste 12 du coup. Ouais, non, c'est pas assez. Hein. Pas assez. C'est vraiment terrible. T'entends un peu bizarre là. La vie qui troll pas. Alors le problème c'est que là j'ai pas de repère pour récupérer les 29. Et si je mets une deux feux, je vais être un peu embêté. Je vais plutôt réécrire je pense. Ah le 11. Ah mais attendez, mais c'est parfait ça. Parce que là du coup je go comme ça. Et pod. Mais GG à tous. Donc on est à plus 0. Deux.
plus 0,1. Là, il faut que là, ça troll pas trop. Moins 17,5. Je peux récupérer. Alors, évidemment, le crit qu'on veut pas, hein, on connaît. En vrai, de vrai, il me reste combien là? 22? Je pense que je vais mettre ça. Hein. Hop. 16. Oh non, pas maintenant le trolling, s'il vous plaît. Mais non, mais il meurt une chasse. Meurt une chasse. Comment je me meurs une chasse en fait? Oh, j'en ai marre. Pas de PO. Je veux meurs une chasse. On a une très belle tenta sur les congruences, il faut juste qu'on se fasse pas troll. Compliqué, mais ça peut le faire. Hein. Ah bah non, ça peut plus le faire. Et en fait, il faut que sur les grosses runes, j'ai une qui crit et le reste en succès neutre. Il y a moyen de faire un truc, mais là, c'est mort. Tant pis. Bon, celui-là, je le fais sans compter. Et vous voyez, dès que je compte pas, ça crit des ravis. Mais c'est ça, la strat, en fait. Bon, il faut que je dégage ça. Oh, pourquoi j'ai moins 21? Je voulais moins 20. Je voulais du moins 20 pour après pouvoir y aller avec Recripod, ça aurait été stylé pour la 351, ça c'est la vie que je mérite. Ça. Bon, bah super, allez, tac. Oh bah c'est bien ça. Dommage. Magnifique, j'ai mis la ravie en me disant allez les congruences sont bonnes, il faut que le PO tombe, ça tombe, donc encore une fois, bah ben cas de figure. Les congruences sont nickel, il faut juste qu'on ait suffisamment de chance sur les runes pour qu'on puisse finir. Bon, il suffit que je dise ça pour me faire détruire par de la païnée, mais c'est bien ça, c'est. Je sais pas, je suis païnée de 51 à 60, l'item est pas encore maxé, je perds plus de la moitié de mon puits là-dessus, on est où là? Putain, ça me gave. Stabiliser un jet hyper haut. Bon, j'ai juste perdu 2% res et quelques bricoles, mais là, il y a moyen de faire une dinguerie. Il faudrait que la vie troll pas. Nice. Bon, là, on est sur du full perf. On y va à la pod. Allez, la sagesse, c'est maintenant. Faut pas que ça troll. Voilà, c'est fini. C'est chiant, hein, vraiment. Hein, ça se joue à chaque fois. Il faut juste qu'il y ait une rune qui me bolosse pas, mais. Tout le temps, je me fais disrespect par les runes en boucle. C'est terrible. 50 de puits. Moins 13. Moins 13. Voilà, ça c'est typiquement pour ça que je reste bas en Vita en Intel. C'est pour bien gérer mes congruences, on va dire. On va double fuit. Pas mal, moins 3. Retrait PA, moins 7. La part écrit qui troll tout le temps, c'est terrible. Hein. Ah voilà, ça me baise ma tenta. J'avais tout pile de quoi tout passer en succès neutre. Tant pis. 46 de puits. Alors je pourrais soit double rainer into de feu, soit double painer rainer, récupérer l'over. Je vais y aller comme ça, on va y aller très très safe. Ah oh, putain, moins 20 là-dessus. C'est dommage. Le jet était très très haut de départ, mais. Une rainée qui passe pas et ça devient tout de suite très compliqué. Allez, faut que ça troll pas. Il me reste 14, en vrai. Oh oui. Mais let's go, en fait. Deux tentachasses, les amis, sur un moins un vita. Est-ce que c'est maintenant? Ça fait littéralement une semaine que je suis sur l'item. Le PO, s'il vous plaît. Ça fait longtemps, quand même. J'ai 18 persos à stuff. C'est le CAC de 1 perso parmi 18. Si je passe une semaine par item, en 2023, ma team n'est pas prête. J'ai besoin du PO, vraiment. Oh putain. 50 de puits. Alors là, les stats sont pas insane en vrai. Je pourrais bourriner Pavi ou Ravi, on verra. Ok, moins 10. Faudrait un petit moins 5. Je pourrais presque tenter l'intel, mais
Bon. Pas forcément très intéressant. Moins 6. Ok, pour l'instant, on s'est pas trop fait troll. Là, on s'est fait un peu troll, mais tranquille. Ok. On a ça à monter, moins 6. Ah, on a encore beaucoup de lignes à gérer, en vrai, ça va être un peu chaud. Ah, j'ai plus de puits. Mais évidemment, quand on a plus de puits, on a PO. Non, mais ça, oui. Bah là, y a rien à faire, hein. Je vais juste continuer le FM et puis espérer que ça tombe vite avec un G très maxé. C'est tout ce que j'ai à faire. 43-8 de puits. Alors, je pourrais juste bourriner les pavis. Mais je préfère quand même l'option ravi, je pense. Hein. Ok, je m'en sors pas trop mal. Allez, il faut le moins 5. Évidemment. Ok, le crit qui me met hyper bien. Bon, ça va être un peu short quand même, mais on va tester. En vrai, le bas est pas trop mal. Ouais, je me suis fait bolos là. Il me faudrait un crit ici, en fait. Ouais, j'ai plus de puits. Il me manque un dos-feu, je suis abattu. PO, évidemment. Bah, dos-feu, hein. Dommage. On enchaîne. Bon, là, je suis un peu abattu. Le PO tombe sur une paprosp, alors que le G se maintenait haut depuis un moment, donc je vais la faire en mode tentabourin, celle-là, je vais pas compter. C'est un peu frustrant. Vas-y, go runier comme ça. Évidemment, j'ai un moins 6 quand je voulais un moins 5. On connaît. Hop. Tac. Plus de puits. 44 de puits. Vita un peu affreuse. On va voir ce qu'on peut en faire. Allez, du moins 6, please. Oh putain. Unlucky. Allez, moins 4, on s'en sort comme on peut. Bon, bah c'est pas ouf, mais bon. On aura test. En vrai, je vais go comme ça, je pense. Ok. Donc là, j'ai eu plus 0,1. Plus 0,1. J'ai eu moins 10. Plus 2,7. 26,9. Ça va être un peu limite, hein. Comme toujours. C'est fini, je pense. Ouais, tant pis. Celle-là, on va pas compter. On va y aller au culot. Bon, évidemment. Alors, après si ça full crit, il y a peut-être moyen de négo un truc. Hein. On va y aller comme ça, tac. Et voilà. Littéralement 3 runes plus tard, le PO qui tombe sur un G, le PO était repassé hein, juste avant l'attentat random d'avant. Donc là par contre c'est une dinguerie. J'ai 45 de puits, je suis en moins 1 vita. Et en plus, on se fait pas troll. J'ai 31 de puits, on va même aller chercher la PP. Hein. Cinq tentarunes chasse sur un moins invita. Je pense que là, on peut se permettre de me passer la rune chasse. Alors, on propose de toucher la vie, mais j'ai très 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 peu de chances d'arriver à aller chercher le 350 avec 25 de puits. Et ça aurait trop de chance de juste m'enlever mes tentes à chasse en fait, donc je préfère aller chercher la chasse. D'accord, donc ça c'est ma vie en fait, c'est d'avoir 5 runes chasse qui passent pas. Et pas de PO. C'est bien de fus, on adore. 46 de puits, bon je pourrais grid le full perf à la pod. Mais je vais être, regardez comme je suis sage, je vais accepter que de toute façon... C'est déjà compliqué d'avoir assez de puits pour terminer les tentats, donc on va pas faire nimp. De toute façon, j'ai plus rien là, c'est bien.
Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Allez, next. 42 de puits, congruence intéressante, mais beaucoup de choses à remonter comme toujours. Allez, on a le full perf. La question c'est, est-ce qu'on a assez de puits? Plus 0,1, moins 0,5. 31,6. Si ça, ça passe. Ok, bon, bah, l'échec critique là me met au fond. Sinon, avec toute la log du monde, il y aurait peut-être moyen de dégo un truc, mais. Là, c'est chaud. C'est chaud. Petit PO qui casse, non? Là, je regarde juste les plus grosses runes que je peux mettre pour casser le PO. Non, la vita a bougé. Tant pis. 45. Aïe. Oh, le crit qui me met hyper bien, là. On va venir chercher un deuxième crit par là. Moins 2. Oh putain, c'est terrible, ça. La tenta qui se fait massacrer. Tant pis. 45 de puits. En vrai, la tenta est pas trop mal. Bon, ça, la sagesse a débloqué, mais... Ça peut presque faire un truc. Faudrait que la Rai ne troll pas. Nice. Faut que ça troll pas. Et voilà. Oh putain, c'était bien, hein. J'aurais pu avoir une petite tente à chasse. C'est terrible, hein. Quoi que je fasse, je me fais boulot. Il y a toujours une rune qui dit non. 46-2 depuis là-dessus. Je vais tenter de garder la vita pour la fin pour choisir si je tente l'over ou pas. On verra. Normalement, j'aime pas laisser en sous-jet, mais ce sera l'occasion de voir est-ce que ça a vraiment un impact ou pas. Ouais, ça a l'air pas ouf. Tenta pas ouf. Ok. Ok. Je doute qu'on ait assez de puits pour terminer. Hein. Bah oui, c'est bien ça. Petite paf lui, peut-être qu'il casse le PO. Non, pas d'eau. Qui crit, mais non. C'est le pire puits de l'histoire de Dofus. Allez, on va faire ça comme un sac. Voilà, évidemment ça fout le crit, hein, quand on a des tentats dégueulasses, c'est la fête du crit, on connaît. Hop, allez, ça monte. Ok, tac, tac. Évidemment, puis là ça crit. 48 depuis. Bon, c'est déjà fini, hein. Un échec critique à la ravie, c'est déjà la sauce. Un peu triste. Allez, on tente quand même. Voilà, bah c'est bien. Oh bah plus de puits, oh c'est pas de chance. J'aime vraiment passer à l'épée ou sur les paprosp, c'est chiant. Bon, Bah oui, c'est bien, allez. Pas très très beau tout ça, hein. Oh, pas de chance. Bon, tenta éclaté, hein, on y va, mais on n'y croit pas. Allez, c'est parti, une de plus. Tac. Tac. Oh oui, le moins 2. Ok, rien que pour ça, je suis content, j'avoue. Ça, c'est du tryhard, les amis. Qui fait ça, en fait? Bah moi, mais bon, je perds des kamas, mais je fais des trucs stylés. Il faut être positif. Alors, on a... Bah c'est parti. Mais attendez, mais ça se passe bien, là. Qu'est-ce qui se passe? Alors, hop. Hop, 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 oh le crit. Mais, ah non, il y a les repères en vrai. Il manque toujours une rune, hein. C'est vraiment pas de chance. Hein. Le PO qui troll, dommage. Magnifique tenta, 44,8 de puits mangé est vraiment très très haut, c'est magnifique. Il y a vraiment pas grand chose à remonter. Allez, over vita, over intel, il faut pas que ça troll. Nice, ça commence bien. On va sécure à la pod là. Là, on a 38 de sagesse. On part dans l'optique de faire du near perf, mais propre.
J'ai plus 0,1. Allez, la Rainée. Oh oui, oh oui. Moins 7,5. On va mettre une petite rune chat. J'ai 12 depuis. On va mettre 2 runes chasse. Allez. Ça commence à faire un peu longtemps que je suis sur l'item. Si vous voulez, j'apprécierais que le PO repasse, quoi. Pas de PO. Je suis abattu. 46 depuis pour un truc qui peut peut-être donner un truc. J'ai dit beaucoup de fois truc, mais c'est mérité, je pense. Bon. Faut que ça troll pas. Ça part plutôt bien. Quatorze restants. Évidemment. Pas de PO. 45, on y croit. Bah allez, c'est bien. Bah oui, tout ce que j'aime, ça. Allez, next. Le bon PPO dégueulasse. Allez, go. Oh bah oui, c'est bien, ça. Allez, on va faire un père vita pour dire qu'on a fait un père vita. Bon bah c'est bien, il n'y a plus de puits. Ok. Bon, peut-être qu'il y a un monde dans lequel on fout le crit jusqu'à la fin du FM, quoi. On va y croire, hein. Oh bah c'est bizarre, ça. Bon, ça, je sais pas trop ce que ça vaut, mais on va dire qu'on va test. Je vais encore essayer de garder la vita pour la fin, même si en général j'aime pas garder des sujets. On va voir. Fuite qui crit. Écrit. Aïe. Ok, on a du crit qui sort, ça met bien. Des runes qui troll qui mettent un peu moins bien. Reste 11, bah je peux même pas finir. Donc on oublie le. On oublie à peu près tout. Pas de PO. Bon, allez, la Vita qui a pas trop troll. On va dire que c'est bien. Faut aller chercher le moins 15 et la pod. Ok, on a plus 0,3. Oui, moins 6. Nice. Peut-être moyen de faire quelque chose. On récup. On a un crit, ça se passe bien les amis. Mais non. Oh putain. Terrible. Ah, une rune toujours. Il y a une rune qui fout la merde. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dommage. 41 là-dessus. Nice. Peut-être moyen qu'il se passe quelque chose là. Ok. Ah, ça va être short. 6 restants, malheureusement. Plus de puits. Pas de PO. 45 de puits. En vrai, ça peut donner un truc. Ah, dommage, mais bref, l'échec me met mal, mais. Ouais, c'est mort. Ah, pas grand chose, ça aurait pu, hein, mais. Hein? Pardon? Et j'ai 15 pp en plus, on est où là? What the fuck? Je suis tellement abattu que je n'y crois même plus en fait, mais attendez, on a un truc qui ressemble à quelque chose là. Alors attends, j'ai plus 0,1. En fait, quand je dis qu'il ressemble à quelque chose, c'est un full perf en fait, hein. C'est ça qu'il faut comprendre. On a moins 6,5. J'ai moins 9. Mais j'ai full crit. Il me reste 2,6. Bon, bah je peux avoir un full perf. Je suis un peu abattu pour l'arme de chasse, mais. Bah, évidemment, pas de PO.
J'avais les 15 pp en plus, je suis abattu. 48-2. Bon bah. Un échec ravi, de toute façon, on sait ce que ça veut dire. Hein. Allez. J'ai pas de quoi tenter ma chasse, une fois de plus. Et pas de PO. Alors ça peut potentiellement donner quelque chose. J'ai 22 à dégager. Je peux espérer avoir 16 et moins 6. Ouais, allez, le moins 6, please. Moins 4, bon. Donc on a plus 0,2. Moins 2,2. Dommage que l'intel est un peu troll. Il n'y avait pas grand-chose à remonter sur le reste. Hein. Il y a moyen d'aller chercher le full perf. Qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais pas dû mettre une paville. Hein. Je suis très con. C'est comme ça qu'il fallait faire. Tralement, on skimbolos. Dommage. Tant pis. Bon. Allez. Ok. Petit crit. Oh oui. On est bien là. Forcément. La rune qui troll, la fameuse, c'est un truc de fou. Hein. Bon bah. Puis, je devais avoir un peu de rab. Pas de PO. Bon, sur la suggestion d'un abonné, on va essayer de le faire en terminant par un crit Rasa. Voilà, donc de faire rune chasse into Rasa into PO. Ou plutôt, il faudrait faire. Bon, on va déjà faire comme ça, mais on pourrait peut-être même faire chasse into PO into Rasa, comme ça la Rasa elle peut casser le PO. Ah, c'est plus optique de faire comme ça. Mais bon, écoutez, on va déjà aller voir où est-ce que ça nous mène. La vita à moins 10. En vrai, on va récupérer ça comme ça. L'avantage, c'est que du coup, le jet, il est assez haut parce qu'il se maintient très bien. Alors, j'avais pas le focus sur ma calculatrice. Alors, on a moins 10, moins 6. Moins 10, il me reste 17. Moins 10, il me reste 7. Bah oui. Et donc là, du coup, j'ai 1, donc je suis dans la sauce. C'est embêtant, ça. Vas-y, on va chasse pour le style. Voilà. L'idée c'était de faire ça, ça et ça. Voilà, c'était l'idée quoi. Bon, en vrai, il y a peut-être moyen de creuser un truc, ça peut être stylé. Bon, bah littéralement la ligne d'après, on a le PO qui tombe, donc ça peut donner un truc. On a un G qui est encore plutôt haut. En vrai, je vais go. Pas vie. Donc là j'avais 45. J'ai moins 6. Moins 10. Ok, on récup. Oui. Oh, ça se passe bien. Moins 10, tout est parfait. Mais attendez, mais j'ai plus de ligne à monter là, on est où? 19, qu'est-ce qui se passe?
Je pense que la sagesse, c'est de garder deux tenta chasse. Donc j'ai trois tenta prosp. Voilà. Moins 6, 13. Est-ce qu'il est possible que j'ai une tenta restante d'avant? Non, là j'étais à 0 et là j'ai pas eu de puits. Ok, donc j'ai pas de rab. En soi, j'ai une tenta sagesse sans crit qui passe pas et deux tenta chasse. Évidemment. Bon, allez. Oh bah oui. C'est bien ça. Bah écoutez, content d'avoir joué, hein, c'était cool. Oh, c'est vraiment pas de chance, et plus de puits. Bon, on va voir ce qu'on peut faire de ça. Commence par un petit crit plutôt stylé. Moins 6. Oh, deuxième crit stylé. Alors là, par contre, ça nous met bien. C'était une tenta pas ouf. Ça devient une tenta potentiellement intéressante. Ça devient une tenta qui a vraiment de la gueule. Mais what the fuck? Est-ce que tout le karma que j'ai accumulé depuis le début du FM est en train de se décharger? Ah, je me disais aussi. Oh, quoique. Attendez. Là, du coup, j'ai moins 20. Il reste 4, bah, évidemment. Je pense vraiment pas que j'avais un de plus en rab, malheureusement. Bon. On va dire que j'avais peut-être un de plus en rab. Je sais que je les ai pas, mais... Je les avais. Vous avez vu, j'ai fait de la psychologie inversée pour bait le jeu, en fait. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, bon... Là, c'est le moment où il faut remettre un PO, par exemple. Parce que ça commence à faire longtemps que je suis sur l'item, si vous voulez. Ah bah non, pas assez longtemps, apparemment. Bah, c'est vraiment une lucky. 47. Allez, yes. Ok. Ça va être short. Hein. Et non. Évidemment, il y a le PO quand on s'en fout. Hein, on connaît. On part sur une tenta en crit Rasa. On a juste un problème de Vita. Voilà. C'est comme ça qu'on règle les problèmes chez moi. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, j'ai 42 à dégager. On va y aller. Comme ça. Comme ça, il me reste 17. Et 17, c'est quoi? C'est 2 fois moins 6. Allez, c'est hop. Et là, moins 6 et encore moins 6. Voilà, ça c'était cool à 100%. Si vous voulez, voilà, hein, on est où là? Alors, on a plus 0,4. Non, plus 0,2, déjà, j'ai dit de la merde. Ah, j'ai tout effacé, mais j'ai écrit Fox. Alors, on avait 45. Ah, je commence à fatiguer un peu, ça fait un paquet de runes qui partent dans l'item, ça commence à être un peu douloureux. Donc j'ai dit plus 0,2. Ensuite, on a un petit over à caler par là. Ok, ça passe pas, c'est dommage. Oh la vache, la douille. La gigadouille qu'on se prend, alors que ça partait plutôt bien. On a moins 6, il reste 11. En vrai. Bah du coup c'est deux tentes à chasse. Évidemment. Le PO qui passe pas, bon bah du coup le Rasa on aura... Oh! Alors ça peut être intéressant par contre. Enfin c'est à condition qu'on ait assez pour faire quelque chose. Donc il me restait 1,2. Vas-y on va compter quand même dans le doute. On a plus 6, plus 36, plus 7. Moins 51, moins 30, plus 18, plus 51. On a 38,2 depuis. Ça peut peut-être faire un truc. Je pourrais presque forcer les païnés, on verra. Aïe. Ouais, bon, moi j'aurais peut-être dû forcer les païnés. En plus, j'ai même pas de fuite pour récup, ni de récré.
En vrai, on va go tac. En espérant qu'on récupère le puits. Pas ça. Ouais, on n'aura pas de quoi finir. Sauf si on a full crit, évidemment. Toujours une rune qui troll, hein. Évidemment, maintenant il y a le PO, mais bon, qu'est-ce qu'on en fait? Et on peut essayer de le casser à la Rasa. Voilà, pas votre EPA, les grosses runes. Bon, c'est. Il faut accepter que c'est fini. Allez, on continue. Bon. Je voulais faire un crit Rasa, mais j'ai 31, donc je suis un peu in the sauce. Il faut passer l'intel là. Hein. Là, du coup, ça va être un peu compliqué. On va y aller en mode. On a peur de rien. Et voilà, en fait. Aïe 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 les amis. Oh, mais ça fait beaucoup de sagesse à monter, ça, je reconnais. Ça, c'est compliqué, ça, par exemple. Aïe 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 aïe. La Vita est un peu embêtante là. Hein. Ah. Les amis, selon mes pronostics, c'est maintenant que ça se passe. Donc on a un crit Rasa là. Hein. Full alpha. Ah, mes pronostics semblent être un petit peu discutables. C'est vraiment pas de chance. Je pensais finir l'item sur cette Tenta. C'est. Ah, il n'y a plus de puits. C'est vraiment. Où est passé le puits? Si quelqu'un a vu mon puits, je l'ai fait tomber. C'est pas de chance. En vrai, potentiellement stylé ça. Faut juste que l'intel passe. Ben voilà. C'est un peu une Tenta accidentelle. Faire un petit truc comme ça là. Petite réécrit qui passe par exemple. Retrait PA. Elle me fait toujours tellement peur la retrait PA. Par écrit, elle troll aussi pas mal. Hein. Ah, je me disais aussi. Pourquoi j'ai une belle Tenta là que, évidemment. 55. Allez. Là, je suis à un stade où je crois plus rien. Je n'attends plus rien de la vie. Je clique. Voilà. C'est tout ce qui se passe. Mais let's go en fait. Hop. Qu'on a besoin de faire vraiment autre chose que de cliquer. Oh bah oui, c'est marrant ça. Oh, c'est vraiment. Oh, les grosses runes qui passent pas, c'est vraiment pas de chance. Hein. Je m'y attendais pas. Hein. Vraiment, normalement, tout se passe bien. Bizarre. Ouh là là, on a combien à enlever là? On a. Ouais, je reconnais, ça c'est pas ouf. On va faire ça, je pense. Dos feu. Alors, ok. Je vais fuite. Ok, il me faut un moins 10 et un moins 11. Allez, le moins 11, please. Ça va se tenter. Non, petit cri de chance qui sort de nulle part, évidemment. Le moins 6, évidemment. Bon, ça passe. Ah. Ça picote ça. Vas-y, prospection. Bah oui, mais crit. Tous les jours je crit. Tous les jours je crit de la PP. Mais je crit toutes mes runes, moi. Qu'est-ce qu'ils vont me faire en fait? Ah, plus de puits. Pas de PO. 42 de puits. On va partir dans l'idée d'un crit Rasa. Aïe. Dommage. Dommage. Oh, ça picote là. On pourra pas finir l'attentat, dommage. Petit crit. Pas de crit, dommage. Bon, bah là, on est juste après, du coup. J'ai essayé de casser le PO à la Rasa, ça n'a pas marché, c'est passé en neutre. J'ai peut-être un peu de rab sur le puits. Alors, hop. Elle a pas ça. Dommage. Très belle tenta sur les congruences. Il faut juste que on puisse la finir. Et on a un full perf. Allez, les grosses runes. Oh oui, le crit. S'il a pas. Oh oui! Ok, là, on a un truc inside par contre.
Ça peut se passer maintenant. Non, please. Non, pas le trolling de l'appareil. Non! Mais pourquoi? C'est un truc de fou. Tout le temps, je me la bouffe, hein, celle-là. 48. On va tenter de finir par un crit à la Rasa. Allez, ça peut le faire peut-être. On va sécure un Nirperf à mon avis. Comme ça. Bon, il faut passer la Rainée, ça va être un peu relou. Aïe. J'ai tout pile une Tentachasse. Qui passe pas. Pas de PO. 46 depuis. Truc c'est que à partir du moment où il y a un échec critique sur une revue, je pars déjà du principe que c'est un peu la fin du truc, mais bon. On y va quand même. Ok, avec du crit peut-être. Donc ça, c'est la vie que je mérite actuellement. Très bien. Crit. Alors attendez, il va falloir qu'on compte le puits là. On a plus 0,1. C'est tout. C'est tout, fin de l'histoire. Ok, bah écoutez. Comme ça peut-être. Elle aime bien me troll la par écrit, hein. C'est un truc de fou. Hein. Dommage. Proche des pires congruences de l'univers. Hein. Allez. Oh bah oui. Let's go. 42. Ok, cool. Le moins 11 qui me respecte pas. Le crit qui sort de nulle part. En vrai, là. Je suis un peu embêté. Par contre, le reste du jet, je suis en train de voir, il est sacrément haut. C'est que si j'y vais à la récré, après je vais être embêté parce que je vais devoir monter à 25 à la récré et ça c'est un peu relou quand même. Ouais, grid. Hein. Dommage. Si la Reine est passée, la centrale, ça aurait pu faire une belle tenta. Qu'est-ce que j'ai branlé, putain! Mais non, mais pourquoi je fais ça? J'avais du pi pour tenter en plus là, j'aurais pu avoir une tenta chasse, oh, je suis le pire bouffe. Je suis encore crevé de la session d'avant là, on vient de recommencer l'item, mais j'ai pris tellement cher que. Pff. Ah non, c'était réécrit, c'était pas par écrit, putain, c'est pas vrai. J'avais moyen que ça fasse un truc là. Bon, allez, on continue. On va quand même essayer de faire quelque chose. Nice. Aïe. R6. Évidemment. Si l'intel troll pas là. Nice. Ok. R6. Dommage. J'aurais bien aimé un crit, elle a pas fui. Tant pis, pas loin encore une fois. Le G est très haut, faut que les overpassent.
Nickel. Bon, j'enchaîne les tentacles qui peuvent donner des trucs et là. Là, ça commence à devenir un peu désespéré maintenant. Ouais, terrible. 47 depuis. Petit moment, on ski troll évidemment. Oh, j'ai perdu tellement là-dessus, c'est affreux. 47 avec probablement un peu de rab d'avant. Allez, on a le Père Vita, c'est déjà un début. Ok, la pote qui passe, mais pas l'intel malheureusement. Oh, le crit qui met bien. J'avais un peu de rap d'avant, j'avais pas spécialement compté. Bah, il manque une repère. Pas de PO. Allez, il y a un monde dans lequel on a moins 26 avec le Dofeu. Bah, bien sûr. Bon, allez, hein. En vrai, on n'est pas trop mal. C'était un peu bizarre, mais NP. 35-2. Tout peut arriver. Oh oui, ça c'est ce qu'il me fallait ça. Après je me fais troll évidemment, bah, c'était beau du coup j'aurais eu largement de quoi tenter si je me faisais pas bolos par les runes. Là du coup j'ai moins 18, il me reste 2. C'est tout le temps, il y a une rune qui fout la merde, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Horrible tentation rune, pas fui. Là vraiment, c'est le miracle hein, qu'on vise. Bon bah ça commence bien, c'est nickel ça. Hop, allez hop. Tac, tac, tac. Tac, tac. Pourquoi compter le puits quand de toute façon il n'y en aura pas assez? Hein, on le sait. Hop, PO, pas d'eau. Crit. Ça aurait pu. Ça aurait pu. Tant pis. Allez, on continue à tenter l'approche crit Rasa. Oh bah oui. On peut même pas jouer en fait, c'est. C'est relou. Tant pis. Puis elle a pas prosp, on compte pas, hein, c'est affreux. Allez, évidemment. Et c'est là que je vais full crit. Je connais. Alors. Voilà. Classique, hein. Fuite. Hop. On va mettre un peu de PP. Voilà, du coup j'ai pas compté évidemment, donc bah parfait. Alors, on avait combien? 42. Est-ce que j'avais du rab avant? J'ai plus 1 au-dessus. Je sais pas si vous voyez encore vous. Oui, vous voyez encore. J'ai plus 1, j'ai moins 9. Moins 20. Moins 6, il me reste 8. 8, c'est une prosp. Et une chasse. Dommage. Évidemment, il y a le PO. Il n'y a pas de Rasa. Faudrait que la récré troll pas trop. Je peux soit la bourrer la récré. Allez. Ok, cool.
Reste 14. Reste 8. Dommage. Pas de PO. Bon, là, j'ai volontairement déclenché la perte du PO à la Rasa, en espérant que j'ai vraiment beaucoup de chance. Ok, tant pis, c'est raté. J'avais les congruences parfaites, mais peut même pas passer en over. Ok, PO. On peut faire ça et ça. Tant pis, on continue. Congruence parfaite. Comme d'hab, il faut finir le FM. Ça commence très bien. Dommage. 48. J'ai envie de tout casser. Bon, j'ai eu moins 11, hein, c'est déjà un début, mais... Après, bon, bah, on finira pas l'item, malheureusement. Tant pis. Bon, j'ai cassé le PO à la part retrait PA, donc j'y croyais pas, j'ai bourriné l'attentat. En fait, je me retrouve avec un moins 1 sagesse over 37 vita. En vrai, j'aimerais beaucoup avoir une tenta PM là-dessus. La dernière fois que j'ai tenté un PM sur un gros G, on sait comment ça a terminé. Pas de PO. Donc pas de PM. J'y croyais. Je me voyais déjà avec mon nouvel arc corrompu over vita PM, là. J'étais un peu... J'étais saucé. Mais non. Bon, j'ai forcé la chute du PO comme un bourrin. Si on arrive à faire quelque chose de ça, c'est un miracle, hein, mais... En vrai, est-ce qu'on finirait pas par un crit à la Pado? Entre nous. Ouais, ça, je vais y aller. Tac, tac. Ouais, bon. Évidemment. Tenta éclatée, une de plus. Let's go. Ok, crit. Tac. Pire idée d'avoir mis cette rune, mais tant pis, c'est fait. Hop, moins 6. Boum. Let's go. Ah, ça fait... Des fois, ça défoule de cliquer les runes, hein, vraiment, ça fait du bien. Mettre ça en vrai. Ok, full bug. D'accord, on va récupérer comme ça. Non, on récupère absolument rien. Oh, on a plus de puits, bah, c'est vraiment pas de chance. Tant pis. 44 de puits. Allez, le moins 6. On tente à la Rasa, hein, encore une fois. Enfin, j'aimerais bien avoir une tenta quand même en crit Rasa. Pour l'instant, j'en ai eu 0. C'est un peu relou. Ok. 18 restants. Là, pour le coup, c'est pas trop dégueu. J'ai deux tentas. Enfin, on va dire une tenta prosp et trois tentas chasse. Ok, donc là il faut que je fasse PO into Rasa, mais du coup, ben non. Pas de chance. 44 de puits. Ok. Oh, les crits. Mais bien sûr, en fait, c'est celle-là. Oh putain. Non, pas maintenant, pas après tout ce qu'on a fait. C'est triste en vrai. Il y avait moyen que ça le fasse là, mais. Plus de puits. Il me reste 4. Évidemment. Donc ça c'est la vie que je mérite ça, c'est de perdre un milliard de puits encore sur des runes de merde. Tant pis. 48,4 de puits. Allez, on va tenter de faire un truc aligné. Faut que ça passe, ouais. Petit moins 2, please. Ah bah oui.
Moins 6, évidemment. Allez, bah oui, c'est bien ça. Dommage. 46 depuis. Allez. J'espère que l'intel va pas troll. Petit lag hein, qui met bien. Ça fait toujours son effet. Ok. Nice. Non. 3. J'ai pas ma tentade d'eau. Pas de PO. 42 depuis. Si les over trollent pas en vrai, tant pis. Ça aurait pu donner un truc là clairement, mais. On ne mérite pas. Allez, les over, faut pas que ça troll. Bon, bah c'est déjà mort, hein, tant pis. Ok. Ouais. J'ai un peu hint, j'ai mis une PP en trop au début. Oh bah dommage. Hein. Pas de PO. Si la pavie elle passe. Il manquait pas grand chose en soi. Hein. Dommage. 44 depuis. Nice. Nice. Je pourrais double rainer repair, mais je vais y aller à la récri. Hein. Ok, moins 6. En vrai, l'attentat, elle partait pas hyper bien, mais avec le crit, ça me met pas trop mal. Tout le temps, celle-là, elle a pas récrit, elle me détruit, hein, c'est terrible. Bah voilà, je peux plus finir. Reste 4. Toujours 4. Pas de PO. Allez, la Vita. Oui. Bon, j'ai 8 et quelques à dégager. On va faire comme ça. On va faire comme ça. Voilà, moins 26. Là, il me faut un moins 6. Oh non, ça partait si bien. Ça fait mal. C'est chiant, hein, ce que je perds à chaque fois sur ces runes de troll, là. Bah, fin de l'attentat. C'est triste. Ça peut faire un truc si la Vita passe bien. Bah par exemple comme ça. Allez les récris, c'est maintenant qu'on fait pas nimp. Allez la par écrit, please. La fuite. 26, c'est bien 26, non? Regardez. C'est 3 tentes à chasse, ça. Bon. L'intel, oui. On va crit, regardez. Non, mais ça passe. Voilà, j'ai encore ma tente à chasse, comme ça. C'était pour perturber l'item. Après, ça passe mieux. Vous allez voir. Ah. C'est pas passé. Pas de PO. J'ai pas assez perturbé d'items. J'aurais dû commencer par la chasse avant la ravie, je pense. Tant pis. 45. Oui. On peut tenter la chimie Aligny. Je regarde la tête du G. Ça se tente, ça se tente. Moins 5. Bah, du coup, c'est nul. Moins 6, évidemment. Moins 2. Allez. 19, ça pique un peu. Ok, là le crit qui me met bien. Oh, le non-trolling qui me surprend. J'ai pas l'habitude. Et plus depuis. Pas de PO. Allez, allez. Aïe.
Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Ah non, hein. C'est pas bien, ça. Hein. Dommage. Il y a un monde dans lequel il se passe un truc. Bah, c'est pas le monde dans lequel on est. C'est pas... Vita un peu tricky, là. On va voir comment on gère ça. En vrai. Vu depuis que je viens de perdre, on va oublier l'idée de faire quelque chose de propre. On va prendre du moins un Vita, tant pis. Je n'y crois plus. Je me disais aussi. Il manquait un de fuite, hein, c'est quand même pas de chance, hein. Allez, la Vita. Oui. Je peux tenter moins 6 et moins 13. En vrai. Je pense que je vais go comme ça. Ah, dommage. On va viser l'unir perf. On va sécuriser la pod. Bon, c'est lose. Hein. Game over, clairement, là. Oh, sauf si je fous le crit, effectivement, ça me prend moins de puits en crit. Ça, du coup, c'est pas mal, en vrai. La suite. Ah, il aurait fallu un petit crit, pas ça. Dommage. Bon. Sur un full crit à la repair, là. Ok. Et si la Vita troll pas? Dommage. Avec une Vita qui passait, ça aurait pu faire un truc. Bah non, en fait, c'est pas ça qu'il faut. Reste 6. Allez, un crit. Un succès neutre. Toujours le problème de la passa. Allez, le crit peut-être. 45. Oui. On récup. Ça commence plutôt bien. Ah. Oh, va falloir que je calcule là, c'est vraiment ça ma vie. À mon avis, ça fait moins 4 plus 2,5. Voilà, on va y aller comme ça. On va dire que c'est le puits que j'ai. Moins 2. Allez, moins 10. Nice. Oui. Yes. 21. Bon, est-ce que c'est maintenant qu'il se passe quelque chose? En vrai. Reste 15. Je pense que je vais tenter le 15 pp. Je vais me garder deux tentachas à chaque fois. Nice. J'ai 12-6. Je peux regarder si j'avais pas un peu de rab. Et peut-être grappiller une tenta sagesse. Je vais relire un peu. Ça me paraît très peu probable, mais. Je regarde la gueule du FM au-dessus. Non, j'ai aucune raison de penser que j'avais des décimales depuis. Bon. Ça fait combien de temps que je suis sur l'item là? Plus d'une semaine? J'ai les 15 pp.
J'ai les mêmes stats en Vita et Sagesse que sur mon corrompu PM. Ah, je vous cacherai pas que si elle passe pas celle-là, elle va me faire mal. Je souffre. La douleur s'abat sur moi. Tel l'orage sur le mouton, ça fait mal. Pourquoi? Qu'ai-je fait pour mériter cette violence? Voilà. Bah next, hein. Ok, ça c'est une belle tenta, ça je pense que c'est full win ça. Je pense que je vais pas compter le puits, parce que je suis sûr que j'aurai assez de toute façon, donc il n'y avait pas besoin de compter. Hop. Comme ça, et voilà. Là on est free win maintenant. Il n'y a plus qu'à dérouler les runes. Et je pense qu'on a notre G. Voilà. Ah, du rouge. Bizarre. Enfin, évidemment. Alors le PO, quand c'est pour des G random, ça y va. Hein. Ça passe, ça crit dans tous les sens, mais... hein. Bon. Si la Vita veut bien jouer à Dofus, ça peut faire une belle tenta, mais ce n'est pas le cas, malheureusement. Tant pis. On va crit et ça va bien se passer. Hop. 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 Et là, c'est le moment où on crit une pafuie, c'est ça? Presque. Mais attendez, mais le G est monté là? Pourquoi j'ai pas compté le puits, moi? On doit avoir un truc genre 43 au pif comme ça. 43 plus 3 peut-être. 46. 46 moins 10 moins 19 moins 10. Il me reste 7, mais j'ai une tente à chasse en fait. Mais. Bon, j'ai un peu moins de vita que tout à l'heure, mais j'ai plus de sagesse, donc j'ai un meilleur G en vrai. Par contre, j'ai pas la... Ah oui, j'ai pas la prospection, bon. Prospection... Entre un G avec les prospections et un G avec le PO, en soi... Donc là, il faut que je fasse crit pas prosp into crit prosp. Plutôt pas prosp into prosp ou plutôt prosp into pas prosp, le chat, là. Vous en pensez quoi? En fait, j'ai mis la main dans un engrenage infernal parce que j'ai passé tellement de temps et de kama dans l'item. Là, je dois être à peu près. On doit être à 6 ou 7 streams à raison de streams en moyenne 3-4 heures. Plutôt 4 que 3 d'ailleurs. Et avec à peu près 10 millions de runes, 10 millions de kama en runes bouffées à chaque stream. Donc, je suis à peu près à 60 millions, on va dire, de kama de runes sur l'item. Et le truc, c'est que j'ai eu pas mal de tenta en 15 prospections. Donc est-ce qu'on finit vraiment sur un 11 prospections? Ou est-ce qu'on se dit, bon, bah, maintenant qu'on est dans la sauce jusqu'au cou, autant plonger dedans les yeux fermés, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Bon. Le chat me dit, ouais, vous avez l'air unanime, hein, tentez la paprosp. Ah, il y a mon modérateur, enfin ma modératrice qui fait un sondage sans me demander mon consentement. C'est compliqué. Est-ce qu'il doit s'arrêter? Oui, à 82%. Bon. Ah, la pression sociale, les amis, c'est compliqué là. Ça a l'air d'être ouais, unanime, pas prosp pendant le chat. Crit PM. Ben, nul à chier PM là-dessus. Pas pong, pas prosp, 100% mieux.
Vas-tu vraiment laisser l'item prendre ta dignité et jouer en 11 pp? En vrai, je crois que là, tu mets le doigt sur la vraie question. Est-ce qu'il doit s'arrêter? La réponse est oui à 67% du sondage. Bon. On est quand même. On est quand même, j'allais dire, dans une démocratie, mais non, en fait, on est sur ma chaîne, donc je fais ce que je veux. Donc, ce qu'on va faire, les amis. Le truc, c'est que là. Là, je suis en mode avancé, hein. Si j'ai un petit spasme, vous connaissez le réflexe amyotatique, par exemple? Ça peut se passer très très vite, hein. Bon. Bah allez, il y a un sondage qui a été fait. Par respect pour ma modératrice, on va accepter le résultat du sondage, qui n'est pas un vote, hein, je précise. On va partir là-dessus quand même. Je vérifie que j'ai pas oublié une petite rainée ou un truc comme ça, hein. C'est toujours un peu technique. J'ai envie de dire, on a fini cet arc de stream. Vous voyez, au sens arc, c'est un arc, donc on va se laisser là-dessus. Hein. Voilà, c'était. Je suis fatigué, hein, excusez-moi. Bon, prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker la vidéo dans tous les sens, parce que là, je le mérite, évidemment. Et puis, on va enfin pouvoir passer à l'item suivant. J'ai une centaine d'items à faire pour ma nouvelle team, donc bon, à raison d'une semaine par item, rendez-vous en 2023 pour les vidéos PVM. Ça régale, allez, prenez soin de vous et à la prochaine.